Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire quelques images dans le Morbihan. Donc là, on est sur la commune Le Bonneau. C'est à côté de Vannes, de Baden. On a passé la nuit à l'aire des îles, l'aire de camping-car à côté de l'île aux moines. Et on va vous faire visiter tout ça. C'est parti, générique! Je disais, ah c'est magnifique. Ouais, regarde, le pont suspendu. Vieux pont suspendu, d'accord. Du Bonneau. C'est beau, hein. Ok. Donc on se dirige vers Carnac, parce que bien sûr le Morbihan c'est une terre chargée d'histoire. Et là on va du côté de Carnac voir un petit peu les cailloux. Et puis, puis après, je pense qu'on ira du côté de Etel. Alors vous allez voir tout ça dans la vidéo qui suit juste après. On vous souhaite une très bonne vidéo. Les filles, vous voulez dire quelque chose à la caméra ou pas? Non, j'en ne veux pas être filmé. Le pont de la Trinité-sur-Mer. On arrive à la Trinité. Ah ben, je répète. On arrive à la Trinité-sur-Mer, il y a tous les bateaux. Il y en a un peu de ce côté aussi. Et puis il y a surtout, ici à la Trinité, il y a des bateaux de compète. Des catas ou des trimarons de compétition, ils sont là-bas, je les ai contre-aperçus. De l'autre côté, ouais. C'est plutôt les bateaux de pêche pour les huîtres. Donc la Trinité, un petit bête sympa. Voilà quoi, la Trinité-sur-Mer. On y est presque arrivé, à notre point de chute. T'as vu le mât là? Ça doit être un truc marron complète. Bah ça doit. Enfin sèche ou un catin. Alors là on va voir les alignements de Carnac, mais on va pas pouvoir s'arrêter parce qu'il n'y a pas de place et même Saint-Félicien a rien pu faire pour nous. Ouais, et il n'y a pas de place sur le parking, ils auraient pu peut-être faire des parkings un peu plus grands parce que c'est vraiment... tout petit parking, j'aurais bien été voir la maison des mégalithes. Bah peut-être cet après-midi du coup. Il n'y a pas de place. Voilà, mais enfin bon, du coup on les voit, on va aller en avoir d'autres parce qu'entre deux pierres alignées et deux autres pierres alignées quand même je pense que ça change pas grand chose. Quelle idée de... c'est pour les extraterrestres. Je sais pas. Alors on va voir alignement de Car Mario. Encore Mario. Oh, toujours parti. Mario, il y en a. C'est impressionnant. Donc ça a été érigé 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 6000 ans. 6000, 6500 ans. Des êtres ont mis ces pierres comme ça. Faut que je trouve un document ou un truc là, pour savoir ce que ça signifie. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé. J'ai pas de moumoute pour le micro. Voilà, donc là on est aux alignements de Car Mario. Je vous le conseille, on n'a pas pu s'arrêter aux autres là, au Ménèque, mais bon. J'espère trouver la documentation. Voilà l'axe c'est comme ça, les menhirs les plus gros sont là-bas et les plus petits sont de l'autre côté et leur taille décroît. Et donc ils ont mis une ferme en plein milieu, apparemment il y a une carrière, enfin bon, ils ont un peu tout explosé à l'époque, c'est dommage.